Salut à tous, c'est Sarah Jim, une nouvelle vidéo et comme promis, je vais vous faire le tutoriel souplesse arrière qui m'a été proposé par Roro17Jim. Donc c'est parti pour la vidéo. Commençons tout d'abord avec la petite base, un pont. Faites des petits battements avec votre jambe, que ce soit droite ou gauche, votre jambe de battement. Après avoir fait ça, vous pouvez déjà poser votre pied, le pied de devant, bras aux oreilles, et vous lancer d'abord en pont, et faire un petit battement. Ensuite, partez du pont. Montez votre jambe, il n'y aura pas que le battement à faire, une poussée, et en même temps le battement. Juste des petites poussées et un battement en même temps. N'oubliez pas que au pont, vous ne devez pas rester tout courbé comme ça en avant. Ouvrez bien l'épaule. Après, vous n'avez plus qu'à faire le battement, la poussée et ça passe tout seul. Désolée, pas trop de place pour faire la fin. Je vous refais en entier. Le pied devant. Les bras aux oreilles, la descente, la poussée et le battement. Et une jolie souplesse arrière. Petit conseil au battement, pour moi qui fais de la poutre en B pour la souplesse arrière, n'oubliez pas à bien lancer la jambe dans l'axe quand vous allez l'envoyer. Pour pas qu'elle ne soit